histoire annoncée, Bana Congo, Zakari Bababa, c'est le joueur qui est Zanga remplaçant Nzolo Kable. Quelquefois battu, mais jamais abattu, mais toujours combattu, Zakari Bababa, c'est Ngaye. Naïe, membre du bureau de campagne populaire, Fati président. Bisson a bureau de campagne populaire, toi, on a besoin de bon côté, toi, qui Congolais, pour Tolingi, Bolingwa Mboka, et autres, qui n'a besoin de soutenir Fati, pour Fati à la crise, qui n'a besoin de Mboka, Azako Tonga, Tonga, pour Mboka, Azako Bongsa, Bongsa, pour Mboka, ou là, Bongsa, Bilou, on a combo, naé, ton a combo, papa, naé, papa, na salatro, mais t'as l'année, on a combo, on a combo à Congo. Naïe, on a tombé pour la rassurer, on a besoin de Fati à la mouille en forme, l'élo. Très en forme, t'as la Fati bien, beauté, on va sentir vraiment que non, ça va, quoi. Tu vois qu'ils sont encore avec les candidats Moussou Souana, il y a la Mouki Bienté, nous avons battu là, pour Azalati le 20, à mon année à Ropola, puis à mon année le 24, Fati, à côté, à côté, ça la discours à la nation. Nous avons battu là, pour Azamoutou Yebaki, Moutou Oyo, Azaki Dabiso. Bandeko, Léona Tongo, je suis tombé sur deux journaux, News 24, na Moko Zalé à Washington Time. Ils sont en anglais, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, la justice zambienne, c'est parti. Maintenant, c'est la justice zambienne qui demande l'extradition de Katumbi pour qu'il aille faire face à la justice. Washington Times à lobby. Moïse Katumbi, le diable que la RDC ne veut plus. Journaux Yabapaya. Journaux Yabapaya. Nayanganité, n'ayanga aussi la commentaire, les faits. Ils avaient fait, moi je fais mon commentaire par rapport aux éléments que j'ai. Le diable, oui. Bah, il connaît le Lubumbashi depuis dans la vidéo. Oyo. Bah, dans le Lubumbashi, bah, le Ngai, Moïse Katumbi, soka yoki sangoke, tangazaki gouverneur, soka yoki sangoke, manga, ezo tambola. A robot, la bino commerce à manga. Soka yoki sangoke, makala, ezo tambola. A robot, la bino sango, ya makala. Marché dans ma robot, la bino. Oh, ma sango, a robot, la bino marché à ma sango. Avec le gouverneur et puis en même temps grand commerçant. Où ils ont donné pour t'aller à Moutou. À partir de Mbissi, il y a combien de là? Mais tout le monde peut dire que, moi, je peux Mbissi, il y a un autre pour. Tant que le gouverneur, Mazembe, moi, il va évoluer, ça te pour. Tant que ça, il y a Mazembe. En tout cas, moi, on l'était à Koussali, ça. Quand on a un rôle, on l'a eu. Moi, on l'était à Koussali, ça. Quand on a un rôle, on l'a eu. Mais à la tête de la République démocratique du Congo, Moutou, où il y a un autre impliqué dans la mafia. Moutaza multiple, ça n'a pas de document et belé. Nazo songe la likambo yo bandeko. Ye moko Moïse Katumbi tchapwe. Alobi papa nanga zali juif grec. Ye moko. Ye moko Moïse Katumbi. Maman naye azali zambienne. Aza congolaise, mais d'origine zambienne. Parce que nakati a Congo sur le territoire congolais. Babama li kinaye bazate. Babama kulutu bazalite. Ba cousine na ba cousin ma maman bazalite. Bangonyo tout bazana Zambi. Côté tata naye. Ba tata naye bazana Grèce, bazana Antalya, bazana Israël. Yemoko aza ko luba yango. Si quoi comme président à Congo ndé na époque to na guerre yo bandeko. Nous on gali kambona parce que naye beloko na luba. Moi si naye. Tata naye Burundi, touti Burundi, maman naye touti Rwandaise très très proche ya Kagame yango wana. Tata ya Karine Katumbi. Comment naye Monsieur Julien Nahayo, pour moi, c'est Katumbi, comme on a dit, Karine Nahayo. Yende moutaosa dans ma démarche, dans ma belge, dans ma moussou et belé belé, pour Bayako, Kotsa Nungu Nungu, Nakatia Congo, Bazwa Obalingi. Bangonde basse la sorte que, Bassangi Sabamu Kwege, Bamatata, Bangotouana, Luka Bana classe, petit mot batte, petit mot mouka rose dans ma vendeza, petit mot vendeza, Libanda, Aobae Shimoro, Aobae Café, Abibo pour nous en Nakati, nous en a tante. Bon pour nous en vite fait. Yangwana, bapona ki vite fait l'état moukwega koma moukwega koma nante, baponi katoumi yango moukwega e, alibi ono, vous êtes des malhonnêtes. Donc, des moukwega zahana ko, azaya ko baye, ako sakanate. Moukwega nden azahana. Deli se sanga koutou ko lobate, yekout akene mikili, ako fangana, yekout akene mikili. Mais ako vote fachi. Deli se sanga ako vote fachi, Fayoulou ako vote fachi, moukwega ako vote fachi. Batou et Belen entourage à Moïse Katumbi. Bon, bon, bandego. Tout ça, la biseau, ah, pour l'arme. Intérêt mboka. Bandego. Intérêt mboka. Bota la mboka, zo kende. Ce qui est quand on a la foin. To tchè Moïse Katumbi, président de la République. Ndego nangai. Et si, to mboka kei. To zongi na boumbu. Lelo yo, l'Europe occidentale a zo luka moyen à paiement. Il n'y a que trois pays qui respirent aujourd'hui.
États-Unis d'Amérique, Chine, na Russie. Hollande, ce sont les trois États où ils ont respiré, bien ça bien. Europe occidentale, l'Union soudaine, mon ami, paiement. Alors, ils ont sorti, ma place, ma cause, ma minéré. Voilà pourquoi ils ont mis de l'argent. Ils ont misé pour que Batia Moutou na bango à la tête de la République démocratique du Congo, bas en accès à la richesse d'Abisso, bas en accès à la bosse d'Abisso, pour bas en ango bango balingi. Et en contrepartie, soi-disant, babong se l'abisson mbok. Toboite, attendez-le, tendez-le, togobong sa mbok ou bisson moko. Parce que le soto bito âge à Congo, on a 63 ans. Toko y kondimate, on motis que babong se l'abisson mboka, na mopaya. Ton dimake, na katia mbe, na nak na biso, ti mupaya woyan anda vuna yo, yem talobino, liya na 9h, kana 14h, nata coupe lelo, lobi nata pantalon, lobi mana li papa, wana za boumbu, o toko zonga sosi manango te sesila, wako na soba bunda pona yango, il faut qu'on ne va pas cracher sous la mémoire de nos aînés. Voilà pourquoi moi je suis venu vous demander, tout en vous expliquant, que le candidat idéal, le candidat de la République, parce que dans la guerre, c'est entre Congo na bapaya. Candidat à Congo, ils ont dit, moi, on a fait comme ça, limité. Moi, on a papa Étienne, ma maman Marthe. Candidat à Bapaya, moi, on a Zambienne, on a Grec. Donc, Botala Binomoko, Azane gouverneur sur Kalingi, Azane ma compagnie, Nenga Sala, ma compagnie, ma Libanais, ma Sala, ma compagnie, ma nationalité. Mais cause à la présidente de la République, il est impossible. Et nous, il y a une seule façon de relaxer Yango. Le 20, on se déplace massivement pour voter le numéro 20. Au petit 20, le roi a téléphone. 2-0, on a Longuia Félix Antoine Tshisekedi de Robima. Et puis on a comme on a épé Robima. De voter Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. On a consolidé le cannabis. Bon, on a dit que la S, c'est qu'on a un barbe. Quand on a salam, ma petite personne n'a pas filmé. Wazalen de Baron Salam Salam. Wazalen de Azamouta Moutouté. Wazalen de Azamouta Congolais. A haut défendre ma bien. Donc, si vous avez un wazalen de la urne, vous avez un wazalen de la urne. Vous avez un wazalen de la urne. C'est-à-dire que, au commissaire, vous avez hésité. Numéro 20. Et puis, vous avez un candidat député provincial, candidat député national, et puis, conseiller municipal, Oyo Lingi. Vous avez un wazalen de la urne. Vous avez un wazalen de la urne. Vous avez un wazalen de la urne, voté numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Congolais de père et de mère. Parce que le pays est en guerre. Naba 2086, on attend que vous soyez au Kampuchea, on attend que vous soyez au Bangladesh, il y a aussi nos présidents. Pour que vous soyez au Sefandi. On attend que vous soyez au Dakar, il y a aussi nos présidents. On attend que vous soyez au Venezuela, il y a aussi nos présidents. Mais les lots dans l'État, tout ça, les lots, les guerres, tout ça, les lots, tout ça, les lots, dans la tête du pays. Avec tout ce qu'on a connu 18 ans, tout le monde a le yenge, le toko, le moyelo, le salam. Voter Fatshi Béton, voter numéro 20, c'est être congolais pur, c'est être pour les intérêts du Congo, c'est être pour l'avenir et la paix dans le Congo. Dites amen. Sous la gouvernance et la gestion, la présidence est à Moka Oyo chez un étranger. Tu es mis sous François Nan. Moto esi akufe la tata ou akufe la mama, soukaya okufe la lissoundeko. Eza la rana moua. C'est-à-dire, pas si roule ka makasi, te pas si kata l'expérience esi akufe la makasi. Esi akufe la tata, esi akufe la mama, akufe la déjà grande sœur, akufe la déjà petit frère. Et soukaya okufe la moussousou, malgré tout ça lui fera du mal, mais aza déjà l'expérience esi akufe la makasi a libota. Biso si kote yon dozabo, de dan expérience déjà ya souffrance oyo, tout ça qui sous une domination des étrangers, tout comme maman qui n'a mboka oyo, on manquait même les aspirines, na kati, ya ba hôpitaux, na biso wana awa liboso, na Kinshasa na maman yemo. Na kati ya hôpital wana ya maman yemo, même le lit pour les malades, ezala kite, même ki si opona komelisa ou malade, ezala kite, le médecin impayé, le professeur alinikine impayé, c'est ça les souvenirs ya souffrance. Oh, tu sais qui est moteur à mboka na biso à un étranger. Alors aujourd'hui, tu sais libosu à ma ponami, on nous informe que Baluki Tshisekedi sur terrain bazuyeté. Parce que sur la voie électorale, les envoyés de l'étranger bakore sur le sous-souté. Bangomoko be étudier carte. Be étudier carte sur terrain, bakore sur te.
Il ne faut pas tromper Bino. Les images balancées par Katumbi, ce sont le montage. Partout où Katumbi Azali Koleka, il ne fait que de l'échec. Il y a une image qui a circulé dans les réseaux sociaux au Katumbi Bayamba qui est comme un roi au niveau à Kisangani. Or, c'était les images il y a 2018 Oyo, Martin Fayulu Bayamba qui est à Kisangani. Donc, on a juste collé les images de Martin Fayulu à Miting Naye à Kisangani il y a 2018. Bah, collé à mon podium il y a Katumbi Oyo à Kendaki Awa en 2023 pour essayer la campagne électorale. Parce que na Kati, il y a Miting Oyo. Il y a Katumbi au niveau, il y a Kisangani. On a vu le public, les Congolais, oh, bah, y a qui na Kisangani, bah, liko tombo la moussou, bah, liko tombo la drapeau États-Unis. Or, les drapeaux États-Unis, on a bah, tombo la kango à l'époque où Fayulu était candidat président en 2018, à l'éka qui na mabilé à Kisangani. Donc, bah, y a qui na stratégie, mon com médiatique et communicationnelle pour essayer de tromper l'opinion publique et tromper aussi la communauté internationale qu'il y a une masse populaire derrière Katumbi, au Bali, qu'on s'en a confiance et Katumbi va prendre le pouvoir. Mais sur terrain, bah, on dit la détermination et la volonté de Tshisekedi, il a mis sa vie en jeu et la vie aussi de sa femme en jeu. Bali ko tambola partout, bali ko visiter bali kongomani na ba grande ville nyonso, na ba province nyonso pour battre la campagne et pour demander la confiance encore pour une deuxième fois ba congolais ba voter Tshisekedi. Alors, du côté de l'opposition, du côté des ennemis, du côté des étrangers, bah, constater déjà que Bazan a échec. Alors, au moment où nous sommes, la carte, c'est quoi? C'est tuer Tshisekedi. La dernière stratégie, c'est tuer Tshisekedi. Parce que la manière dont Katumbi distribuait de l'argent, même aussi la délégation, eux, ben, ils ont accompagné Katumbi sur terrain, et ben, là, si, bah, qui sait ça. Cette Kikuli était avec Katumbi sur terrain, ben, là, ils ont tamboulana, et si, à régaler Kinshasa. Francis Kalombo était dans la délégation, il y a campagne électorale, il y a Katumbi, il a régalé Kinshasa. Et ben, là, oh, ben, là, ils ont tamboulana, Katumbi va constater déjà que nous perdons notre temps. Au niveau où nous sommes, même si, topé si ma force n'a mis son on ne va pas prendre le pouvoir. Parce que ce qu'on a vu sur terrain, la population n'est pas d'accord avec nous. La population n'est pas derrière nous. Alors, chacun des membres de l'équipe de Katumbi va commis qu'on s'est retiré petit à petit. Il y a beaucoup de noms ici, la liste est très longue, je peux commencer à citer leurs noms. Bon, bah, Niko s'est retiré, mon con à mon commun. La dernière carte, c'est quoi? C'est tuer Tshisekedi, et il y aurait une armée rwandaise, une armée ougandaise, et une grande partie d'une certaine armée internationale, bah, quoi, qu'on prêtait Katumbi une main forte pour lui imposer au sommet et à la chaise présidentielle dans ces pays. La CNES, faisons très attention. CNES, tout ça là, attention Makasi, on dit les CNES, Conseil National de Sécurité, tout ça là, très attention, parce que, bah, ici, biso kuna la kati, moi, mbilinga, 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 ezo luke bimakuna. Donc, bah, ça dit, côté la position, il y a avis à Mokonzamboka à tout moment. Avis à Mokonzamboka, parce que Mokonzamboka a dit qu'on vend à Temikolo. Vous le savez, parce que vous allez qu'on en attend au coquille RDC à tout moment, nous vous montrons comment est-ce que tu sais qu'il y a dans l'économie espace A, à quel espace B, à quel espace C, comment est-ce que tu sais qu'il voyage. Et le Congo, c'est un pays sous-continent. Et dans mon cannabis, le président, le cas, le pour quitter Kinshasa, aller au niveau de Lubumbashi, si vous prenez la voie routière, ça va vous pénaliser totalement parce que ça va vous prendre du temps. Zélaya malam kolonga Kinshasa si Lubumbashi zati. Parce que ma conjoint soit toujours, ma c'est la mission bola moana te batonga banzelati. Alors pour se déplacer aujourd'hui au Congo, un pays mini continent, il faut simplement les avions.
Alors, mokonzi amboka aoutaki nkamba, akenaki na avion. Mokonzi amboka akenaki mwana, akenaki le Lubumbashi, akenaki la grande équateur, akenaki na grande orientale, akenaki na nord Kivu, sud Kivu, akekuna na Katanga, il est en train toujours de traverser et de voler à voyager avec les avions. Et on a déjà ciblé, il y a une carte, il y a une traçabilité, un chemin déjà mis en place pour essayer, yako kitisandeke, ozali kota moussa mokonzi amboka. Donc, c'est-à-dire, yako, exploser l'avion Ezali Komima, président Tshisekedi. Alors nous, nous sommes là déjà pour prévenir. Parce qu'en médecine, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est-à-dire, si tu veux que tu ne puisses pas tomber dans le paludisme ou encore dans la malaria, il faut essayer de dormir sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et c'est le même cas aussi aujourd'hui, la situation est très grave. La situation est très grave et très tendue aussi. Alors, nous devons faire en sorte que, aujourd'hui, la disparition de Tshisekedi, ce sera aussi la mort et l'explosion phéotique qui est Mboka na biso. Donc aujourd'hui, si Tshisekedi n'est pas là, Mboka na biso balkanisé. Si Tshisekedi n'est pas là, Rwanda est sous possession Mokao. Si Tshisekedi n'est pas là, Katumbi prend le pouvoir. Si Tshisekedi n'est pas là, nous aurons vivre calvaire Moko comme pas possible. Ça sera la période de l'antichrist dans notre pays. La même stratégie utilisée au niveau de l'Ouganda. Parce qu'au niveau de l'Ouganda, avant que Yoweri Museveni puisse prendre le pouvoir, il y avait un certain président aimé par les Ougandais et les Ougandaises. Mais dans leur mafia, dans leur rébellion, cela en sorte que Bakeneko a assassiné le président en place et Yoweri Museveni a ravi le pouvoir entre les mains des démocrates. Le chemin des militaires. Et de la même manière que Yoweri Museveni avait pris le pouvoir au niveau de l'Ouganda soutenu par ses petits. Paul Kagame et leur enfant, James Kabarebe, et aussi pour payer, récompenser Paul Kagame. Yoweri Museveni avait aussi prêté une main forte à Paul Kagame pour essayer d'exploser Yakobe Tamasasi lance-roquettes na avion Ebanaï Komima, Yoweri Ebanaï Komima, Juvenal Habyarimana, le président Hutu en place à l'époque au niveau de la République rwandaise. Là, c'était vers les années 1994. Otomonaki Neke Ezumima, Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana a Kendaki qui participé à sommet Mokoboye, ya Union africaine. Et lorsque Juvenal Habyarimana rentrait, il y avait déjà une traçabilité, un plan bien établi pour essayer d'éliminer et d'abattre l'avion Ebanaï Komima, Juvenal Habyarimana. Et le plan est déjà mis en place pour essayer aussi d'assassiner le président Tshisekedi. Et dans ce complot, nous avons Joseph Kabila qui est à l'intérieur. Nous avons Paul Kagame qui est à l'intérieur. Mais au moment où nous sommes, Joseph Kabila n'a plus besoin de rentrer au pouvoir. Joseph Kabila lutte pour que Katumbi puisse prendre le pouvoir. Parce que entre Kabila et Katumbi, c'est une seule personne. Comme dans la Bible, on dit, dans le mariage religieux, on dit 1 plus 1 égale 1. C'est aussi la même leçon, la même matière, la même théorie utilisée entre Kabila et Katumbi. Entre les deux personnes, 1 plus 1 égale 1. Et cette fois-ci, la décision a été prise dans une grande réunion en présence de lui-même, Jikaka Joseph Kabila, et Katumbi était là, une grande partie de la communauté internationale, mais également la République rwandaise qui ont opté pour choisir aujourd'hui d'abord, prioritairement, de donner le pouvoir entre les mains de Katumbi. Parce que Katumbi est facilement malmenable. Donc avec Katumbi, Kabila va régner. Avec Katumbi, Yoweri Museveni va régner au Congo. Avec Katumbi, qui encore Paul Kagame va régner. Avec Katumbi, il y aura des entrées et des sorties si faciles pour la communauté internationale. Parce qu'au moment où nous sommes, toute la communauté internationale, prenons le cas des pays occidentaux,
Non, j'ai commis une erreur. Des pays de l'Europe occidentale, c'est ça. Parce que quand nous parlons de l'Europe occidentale, nous prenons plus le cas de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de ces pays de l'Union européenne, au basant un droit de veto, et balingara toujours qu'on en a même mis l'icolo à Congo. Alors, ce schéma, il y a quoi assassiner le président Tshisekedi, je vous l'ai dit, ça ne va pas aller. Parce que président Tshisekedi, c'est Saouda Kinkamba. Bissonio Sotolanaki, et je vous avais montré cela ici dans ta recoquille RDC. Et nous avions vu le président Tshisekedi au niveau de Kamba, si Bachia qui est Mabou. Le président Tshisekedi, ben Tonga Nyoso Oba Pasteur Nyoso si Bachia est Mabou. Tshisekedi Obozali Komona Bikila Kile Abangangaki si Bissonio Sotokotie na Samakoulou. Yopo zali na poto ali ko buka mabolongo zali ko bonde la pona Tshisekedi. Y'a une maman qui m'a appelé depuis Canada, na Montréal. Maman Kapi, je vous salue. Elle me dit, j'ai pris jour et nuit sans cesse pour Tshisekedi. Alors motoba ali ko bonde le la bouille. Motoba se li bikila ki le abou. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Tous les plans machiavéliques pour essayer d'assassiner l'avion du président Tshisekedi. Et donc, il y a un somme au président Tshisekedi à l'Ikotambola et Mouroti. Président Tshisekedi à l'Ikotambola, maman. Chico, le leçon qui m'a bé, comme elle n'est que, oh, c'est à sa président Tshisekedi. Mais il y aura un deuil national, autre au salon, même pendant une décennie d'années. Te perdre mon conseil à moi, te perdre sous la maman, mais qu'on a la mille l'eau, ma casse dans la bisou. Mais je l'ai dit, ça ne va pas aller. Bande quoi, CNS, toi, Luko Ben Dabino Matoi. Bolinga Congo, Bolinga Peba Congolais. Parce que le symbole de l'unité nationale, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le loban à Bazala, Kana, qui m'y a peine en confiance, n'a ni voix à Nakou, ce qui papa Zali, ce qui papa Zali, tu es bien que tu roulia. Ce qui papa Zali te dit que tu refaites mon année malam ou tu roulates à Bilamba Sika. Ce qui papa Zali te dit que tu rebouches ta moi, mon cou, et sosso, en tabayangoul, et en gombe, ainsi de suite. Mais si papa n'est pas là au niveau de la famille, et Zalaka Milelona Milelo. Mais aujourd'hui, quand nous voyons un père de la nation, quelqu'un qui est congolais de père et de mère, ou Azali ko gérer, Azali ko kamba, Azali ko gouverner, Azali ko tamboussa mo cannabis sans hypocrisie. Azali qu'on rendre à tout moment compte aux Congolais. Tshisekedi a quand même pris le temps à côté de Melamindele. Yakoebi Sabango Boeti. Ici au Congo, nous avons des réserves autour de lui qu'on a des réserves et des blocs pétroliers. Et ces blocs pétroliers, c'est au niveau du Congo central à Mwanda. On a aussi découvert beaucoup de blocs pétroliers, n'est-ce pas, sur la République démocratique du Congo. Et la mission a été donnée à la ministre des hydrocarbures. Et le ministre des hydrocarbures a soit qu'une mission on a pour appeler les bailleurs de fonds. Il y a quoi appeler les spécialistes pour essayer d'exploiter. Et ça sera un partage gagnant-gagnant 50-50 pour l'avantage du Congo. Il y a un certain secrétaire d'État américain. Ce qui n'a pas sanité, c'était Anthony Blinken. Il vient au Congo, à Kena Palais de la Nation, à Koutena, le président Tshisekedi, pour interdire aux Congolais de ne pas exploiter les blocs pétroliers. Et donc, on a un bichou. Pétrole, on a un bichou. Cuivre, on a un bichou. Cobalt est un bisou, manganèse est un bisou, quoi encore? Nous avons l'uranium, nous avons le lithium, nous avons le coltan, nous avons le fer, nous avons la forêt, nous avons, c'est-à-dire, nous avons un peu les 65% de matières premières, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner aujourd'hui le monde. Nous en avons ici au Congo plus ou moins 65% des matières premières, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner le monde. Alors, un tel pays, que un président le roi Tshisekedi, est défavorable pour certains pays voisins du Congo et aussi pour certains pays occidentaux. Et elle que la barre passe. Pour les blancs, c'est il faut mettre quelqu'un trop minime, mettre un président trop faible. Mettre un président illettré comme Katumbi,
qui ne connaît absolument rien sur le plan gestionnel du pays, Kochaina Mboka, pour lui, ça sera voler pour sa famille, voler pour la Zambie, voler pour les Juifs, voler pour les Italiens, et aussi mettre à la portée de tous les Européens, les Occidentaux, les Américains, les Rwandais, les Ougandais, de venir voler et puiser comme ils veulent. Voilà les cas. Aujourd'hui, plusieurs personnes nous disent que le président Tshisekedi avait commis une erreur d'appeler la force régionale l'EAC à Rokot Sabusona Kata EAC. Kobenga ba soldat EAC à quoi Kokota na Congo. C'est toute une expérience au Tambora na Bisou. Je l'ai dit, présence y a force régionale. Ba sokoto ba soldat ou ba étranger à EAC ba yaki na Mboka na Bisou. Présence na Bango na Kata Mboka na Bisou, c'est toute une expérience. Et la République démocratique du Congo venait de refuser le prolongement, la prorogation. Il y a présence, il y a force régionale à Mabilé Labissou. Au moment où je vous parle, la deuxième grande partie des contingents sud-soudanais, Baotsoubima, en direct de l'aéroport international de Goma, na Monicom, il y a un avion, Ezali Komema, les militaires Kenya, 300 militaires kenyans au sein de la force régionale va quitter le sol congolais aujourd'hui via l'aéroport de Goma. Et on m'informe, on nous informe aussi par des sources locales, il y a plus ou moins 287 militaires sud-soudanais qui viennent là de quitter le sol congolais via toujours l'aéroport de Goma. Alors c'est toute une expérience qu'on a acquise dans le sens de comprendre maintenant certaines réalités avec certains pays voisins au Bazali qu'environné Bissau. Nous sommes un pays où nous a entouré dans plus ou moins 9 voisins. Aucun pays, je ne sais pas si je vais commettre ce terrain, aucun pays au niveau de l'Afrique et ils ont entouré dans ma pays Bélé de Gola Bissau, plus ou moins 9 voisins. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons le Burundi, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons la République centrafricaine, nous avons le Cameroun, nous avons le Gabon, c'est-à-dire nous avons l'Angola, quoi encore, nous avons plus ou moins 9 voisins. Au Bazali Kwantouré Bissou. Et ces 9 voisins, Bazali Kwantouré Bissou, Bazala Bomengo, modèle Mokotela Bomengo, Obiso Zanango. Nous avons la forêt équatoriale. Bien sûr que nous partageons la forêt équatoriale avec certains pays au niveau de l'Afrique, ce que nous appelons en français les bassins du Congo. Mais la grande partie de la forêt équatoriale, plus ou moins 80% de la forêt équatoriale, appartient à la République démocratique du Congo. Le bassin du Congo, nous avons de l'eau. Aujourd'hui, quand nous parlons du fleuve Congo, ce n'est pas le fleuve Congo du Congo-Brazzaville, mais c'est le fleuve Congo du Congo-Kinshasa. Même si le fleuve Congo a aussi traversé le Congo-Brazzaville. Mais le fleuve Congo n'appartient pas au Congo-Brazzaville, parce que la source du fleuve Congo est Outanalolaba. Nous connaissons la géographie de la RDC et de la République, on a essayé un peu. Yakotangi Sabiso vers le deuxième année, première année, CO, deuxième année CO, secondaire, Batangi Sabiso la géographie. Batangi Sabiso, lac, maïsan la République démocratique du Congo. Batangi Sabiso, Mboka, Oezali, ko envoisiner la République démocratique du Congo. Et aussi, Batangi Sabiso, source, il y a fleuve Congo. Fleuve Congo et Bandana Lualaba. Et bandina lola be bandi ko traverser et mati est est ke kisangani et équateur et kiti kota Kinshasa et kei Congo central ti et ke l'embouchure à fleuve Congo au niveau du Mwanda et se jeter vers l'océan Atlantique. Alors la richesse aujourd'hui du Congo Katumbi ezali kola lisa ekimiati. Ezali kola lisa Katumbi kimiati. Et Katumbi au moment où il est et si abayene makam. Mais on est en train toujours yako tindi kakatumbi. Parce qu'on dit, si tu es là, on sera quand même à l'aise. Parce qu'avec ce type de Tshisekedi, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Aujourd'hui,
l'usine de raffinerie de l'or qui a été construite par les Qatariens au niveau du Rwanda et au Tshokanga. Les Qatariens qui ont investi dans Rwanda, ils ont eu des usines de minerai de l'or or. Pendant que le Rwanda n'a pas de l'or. Mais Paul Kagame, en complicité avec Emmanuel Macron, au même moment qu'il y a la commission à Qatar, selon lui, il y a un peu de psychiatrie or. Mais dans ma belle Labino, il y a un peu de temps. Ma belle Labino est supportant au Robin Misandundati. Mais boni boni bolaki bato ke toko yamba bino na kati ya feti toko lambe la bino ndunda pandan ke bozala bilanga ndunda te. Et c'est aussi le dossier bien schématisé avec Paul Kagame et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a même mis dans le mango makasi Paul Kagame na Qatar. Vous le savez. A même mis na Qatar, ba ke ko signé ba contrat na bango minene. Bah, j'ai des avions, oh, bah, pèse à qui dans Rwanda, oh, Rwanda, et sali compagnie d'aviation à Sika, oh, bah, d'un coup, ben, à Rwanda, et si, pe, kouya. Bah, venir sur Rwanda, et si, kouya, n'a si. Parce que le Qatar a essayé un peu de rompre cette relation, ce partenariat avec le Rwanda. Parce que la promesse faite par le Rwanda, et ça là, qui promesse à l'Okuta, que vous en a or, pendant que vous en a or, t'sais. Et moi aussi, je me disais, comment est-ce que les Qatariens, bon, signé contrat à mon aide, bon, il y en a France, mais Emmanuel Macron, bon, il y a la vérification sur terrain T. Dans mon arrasso qui est ingénieur, il y a construction, il y a tout le monde là, il y a un libosu à Mabélé, il y a un étigé Mabélé. Est-ce que Mabélé est à pété pété? Est-ce que ça Mabélé à maille? Est-ce que celui de bois qui m'a banga, tu retiens combien de centimètres, combien de mètres? Et de l'autre côté, comment est-ce que nous allons faire pour les caniveaux? Ben, ingénieur technicien en construction, ben, ça a rabéti douana avant de construire une route. Alors, les Qatariens, avant aussi de venir investir au niveau du Rwanda pour installer une usine de raffinerie de l'or, il faut essayer aussi de faire des études approfondies. Il y a quoi, ben, est-ce que Mabélé à Rwanda, les alliés qui ont mis ça? Or, le schéma, c'était de venir multiplier encore des groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo, continuer à tuer les mamans congolais, les papas et les jeunes congolais, les mamans congolaises. Alors, sous l'agression rwandaise et sous aussi ces tueries, ils vont commencer maintenant à voler de l'or au niveau, parce que l'or est bimaramaka sina Ituri. Province est Ituri, or et bimarakuna, le gros la bite écoute. Le gros la ma tembele. Donc singama tembele à or et tambo la kana, niveau Ituri, on a comme pas possible. Yango bo monipe mokonzambo ka installé qui était de siège, parce que le Rwanda aussi nous pompait de ce côté-là. On est du côté de Rubaya. Et si quand on a Pinocchio et si tu tiens à Boloko, il y a Nolo Azalaki, Mwanga Chuchu. Colta, ils allaient comme Bimakuna comme pas possible. Colta, aujourd'hui, ils allaient comme ça à iPhone. Colta, aujourd'hui, ils allaient comme ça à display, à téléphone, à display LG, à télévision minène. Colta, on doit aller comme ça. Et ce Bimakuna, il y a quelqu'un dans le Congo. Tout ça, ma pays, mi balé, mi sat, mi neïté, na katia mokiru, oh, kolte, aliko, bimaloko, na mabela, roubaya. Et, il y avait une entreprise SMB, installée par Mwanga Chuchu, frauduleusement, oh, à obtenir les documents sous la gouvernance de Kabila ici. Bah, aliko, bouma. Au moment où nous vous parlons, l'usine des raffineries à or au niveau à Rwanda, bloquée et Kangama. Kagame, à côté, bah, nous, presque partout. Kagame et si à joie qui m'ont solo presque partout, il faut ce qu'on a fouta. Parce que dans la vie d'une nation, dans la vie d'un pays, nous vivons toujours comme ça. Vous prenez de l'argent quelque part, vous financez un projet, et après ça, vous allez commencer à remettre petit à petit. Et sous aussi la production, sous aussi les exportations de vos matières premières, vous allez aussi commencer à payer de cette manière-là. Parce que aujourd'hui au Congo, laissez-moi vous dire, mais nous devons aussi réparer cette chose. Bisson le nom à Congo, tote kakaliban na kakaba minere. Toi, le nom, tote gratis. Kakaba minere. Oh, toi, ça, ma belle, oh, t'as compris pour le banakolo na pondou. Et laissez Congo, mobimba pondou, et tikali, tote kelipe bande kwa Brazzaville, tote kelipe bande kwa Gabon. Ah, ou à toko tikara na katia. Donc, ça dit, na katia faiblesse, wana na fainéantisme, na rote kakaba minere. Or, nous avons des choses, des richesses, des trucs et des tricks. Autant eu que te kalibanda, et même les bisopé ma réserve de bélé, dollars et bélé.
et que ça, la que dollar est quitté à l'issue dans ses macas. Papa, tu sais que le sort quitté l'issue au dollar atteint à 50. Atteint à 65, et vous aussi, pénis à l'issue macas. C'est juste une volonté politique parce que vous avez cette volonté politique. Alors, ces schémas, ces plans, on a comme tu sais que tu es aussi mineur aussi mbatté. Parce que, malobi, car tu as su que Zarasso, tu sais que dans ma tille, il faut attaquer. Il faut abéter à Mandoki. Bakani sage ke ba rozo ti sekede na katamba. Tala schéma ti sekede na sali. Le président Fatih le numéro 20, y a élection le 20 décembre. Abandaki campagne électorale la en Congo central. Ake Mwanda, Aye Boma, Ake Matadi, Ake Kinzamwe Techela, Ake na Kimpese, Aye Manzangumu, Asirisi Congo central Mobimba, Asongi Kisasa, Abanisu Oke na Kindu. Kindu Kindu Ake Grand Équateur. Mais ce qu'on n'a pas compris avant que le président Tshisekedi aban a traversé na ye campagne na ye au niveau à Grand Katanga, président Tshisekedi a zongi lissou na Congo central. Mais bon tout dans le président Tshisekedi a zongi na Congo central ou a ke nan kamba. A ke ko ben na mili mou ya ban koko na ye, ban setre na ye. Katou mi a robe la mili mou ban setre nini na Congo ao. Katou mi n'a pas des ancêtres ici. Donc ça dit que tout mission a belle ban cette ba okanga matoyi ban cette ba ko répondre te mabele ko lobate mabele ko fonga mati parce que Katoumi n'est pas reconnu par le sol et par le sous-sol et par nos ancêtres qui sont enterrés na mabele la mission beaucoup mais papa tu sais que de azongi nkamba akobe la bakoko a tie mabolongo la si donc tous les avions aux années comme papa tu sais que dit parce que la niveau en kamba la mona ba make na kinavia. Atambola qui n'a jet na iti. Jet ou zali kotan mou se presque partout. Yango te a kende ki na yango nan kamba. Kende ki na kinavia. Amata yi anandolo a ken kamba. Kya mou suko président Tshisekedi. Parce que le schéma c'était si Tshisekedi arrive au niveau du Katanga wa ande ba oula lisa yi. Parce qu'il y a des mercenaires déjà au ba blonama misisa na Katanga na recruté par les étrangers. Président Tshisekedi a e Katanga. Chico et l'autre banque, c'est un président Tshisekedi à atterrir l'aéroport y a Luano y a Lubumbashi sous le coup de 17h, 18h. Bazali, Chico, vous êtes la présidente Tshisekedi d'un espace mon gars, mon nez dans la Katanga à Lubumbashi à qui de recevoir la meeting. Kolongwa, na aéroport à Luano, Kino et Sika au président Tshisekedi une explanade. Ou à cela qui meeting na Lubumbashi. Ça peut prendre 7 km, 10 km même. Et ça a pris du temps pour que le président Tshisekedi aille à l'aéroport, à Yatine Esplanade Nesikawan. Parce qu'il y avait une foule immense, la population joue en basalité, basalagi koselaka président Fatiaya, mais on dit, bah, embarapé motuboiti. Bazeli est aïe. Et bangi sakina parce que président Tshisekedi a zo tenir meeting. A li kosa la campagne na yen à Lubumbashi sous le coup de 21h. A zo sa la zo lobana podium devant le millier de milliers de gens. A 21h, a dit, mais ma be koya ou bien koya ti. Or, si banko kota la. Kagame Kabila Katumbi, les ennemis du Congo. Et si Nzambe Banco Kolobi Bokomona Fachite. Mais si Nzamba Banco Kolobi, Bisso mon groupe ba Congolais, tomate la mokonzi na biso. Ba traître nyonso o bazan entourage à mokonzi mboka. Ba traître nyonso bazan moussika. Ba traître nyonso ba luko planifier ma bepo na mokonzi mboka. Il faut te dénoncer bango. Ce qui faut retia bango maboko, faut retia bango maboko. Ce qui ko tcha bango ma boko, faut ko tcha bango ma boko. La sécurité des présidents, tu sais qu'elle dit, est composée à 100% par les Congolais de père et de mère. Parce que tant on a dit comment la présidente, tu sais qu'elle a dit qu'au tambola, Nathalie Soldat, oh, mais n'aie pas qu'elle a limité. Nathalie Soldat, moussou, azan la sima, oh, mais n'aie pas qu'elle a mumbele. Nathalie Soldat, moussou, azan la sécurité à présidente, tu sais qu'elle a dit, oh, mais on ne connaît pas maintenant comment on est dans Ngiringiri. Mais si quoi moto banaye ko kamba biso en régime à 18 ans ba sokoto ba soldat so banaye ko kamba ko tambola na ye ko sécuriser tu es ba qui identité na bango te des étrangers que des étrangers oh ba ju formation na Rwanda ba ju formation na Uganda ba otu so ki wapi ba tambola na ye
Parce que Manaï Koban a causé la sécurité dans ma Congolais, Mazaba Ndegonaïti. Il avait plus placé sa confiance aux étrangers parce que lui-même aussi avait cette identité. Mais le président Tshisekedi, c'est-à-dire la sécurité, la ceinture, la bande de président Tshisekedi est rien composé que de Congolais. Sa sécurité civile, sa sécurité militaire. Alors, Bisso, tout ça, la carte à ceinture à sécurité président Fachi, Tolinga Congo, Tolinga Mboka. Tolinga Congo, Tolinga Mboka. Mais Tolobi, Tshisekedi Azam, Moutakoukoufama, Koufalelot. Nous voyons le président Fachi, Ti 2028 au sommet de ces pays. Nous voyons, donc ça dit, nous voyons. Ce n'est pas moi qui le dis. Les amis Simbi à Komonde Balobi. Bissimbi à Komonde Balobi, nous voyons le président Fachi au trône de ces pays en 2028. Si Bissimbi Balobi. Bah, on a sur la mise au miné, ceux qui mis sur 5, ceux qui mis sur 10, c'est si Balobi. Bon, ils auront la mise au miné, 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 ils Il y avait dernièrement ici, bon, je vous raconte une histoire. Kabila Mouze, Baboma en kati ya bureau na yena ngaliema, na ma campagne, na palais de Mabre. Na kati ya bureau na yena. La résidence, parce que Mouze Kabila, son bureau, il est na palais de Mabre, et sa résidence aussi, il est à l'intérieur. Et Mouze Kabila, avait une forte et grande sécurité pendant qu'il battait là. Mais d'ailleurs, il y a eu la 4 bureau. Motambo Makieza Moto O Aleki na portail, na barrière à Libousso, Ake na barrière à Mibale, Ake na barrière à Mibale. Donc ça veut dire qu'il va contrôler Ti, va monipé le côté. À côté Ti, na 4 bureau, il y a Mouze Kabila, va vendipé pendant quelques minutes, va dire qu'au solo là. Fallait qu'il Mouze Kabila assala un petit tour vers l'autre local pour qu'il aille revenir pour essayer de signer quelques contrats. Lorsque Mouze Kabila se mettait debout pour aller de l'autre côté et revenir, et c'est à ce temps-là que le type a essayé un peu de tuer. Et sur place, Mouze Kabila, à Pesaki Mokongo, à Lali Nasea Koko et à Namopanzia Kitu à Vandaki. Et le monsieur est sorti si tranquillement et accueilli. Mais il y a des délégations, Baya avec le même système de Mouze Kabila pour tuer Fachi Beton. Aleki na barrière à Libosu, Aleki na barrière à Mibale, Bissimbi à Souka, Bakangi Bango. Donc c'est-à-dire, Aleki na barrière à Libosu, Osalagi Bikila Kila, parce que pour venir tuer le chef de l'État, ça PTT, hein, il faut que Ola Tebino Ranzoto. Il faut pour ça la bikila qui là. Au yé la barrière à Liboso, sécurité, c'est la rana va contrôler, va mouni l'outil, au leki. Au yé la barrière à mi balè, sécurité, c'est la rana va contrôler, au leki. Donc ça dit, va mouni l'outil. Mais barrière à souk à place, bisimbi bazalaga. Voilà bisimbi, va mouni la timi nouki au bomi la mi chopo na rata liboum. Donc bisimbi ba ali kotelo na kata mi chopo na mon li, mon âme, pe na kati ya kor na yo. Combien de gens ont arrêté à la Kisasa? Et on n'a pas voulu transmettre cette information. Donc on dit le président Fachi fera ses deux mandats, le président Fachi finira sa mission et il va aller se reposer tranquillement. Parce qu'il a une mission pour ce pays. Moi je le dis souvent, je le dis toujours, le président Fachi n'a pas un mandat pour le Congo. Président Fachi a une mission pour le Congo. Parce que selon la constitution, mandat pour la Mokonzi Mboka n'est pas 5 ans, une fois renouvelable. Donc Mokonzi Mboka n'est pas 10 ans après qu'il y ait. Donc selon le mandat. Mais on dit que le président Fachi n'a pas un mandat pour ce pays. Mais le président Fachi a une mission. Et quand on appelle un système à schéma Morobo 2028, le président Fachi a continué sur 2030. A continué sur 2035. Parce qu'il a mis une mission. Ce qui est une mission, on a un coquité, un Congolais, un Kangé, un Bilamba, un Otika qui était. Je ne le dis pas parce que je suis Moulouba, parce que je ne le suis pas aussi. Je ne le dis pas parce que je suis Mouswahili, parce que je ne suis pas Mouswahili. Je ne le dis pas parce que je suis Moukongo, je suis Mungala. Non, moi je suis Congolais.
J'aime mon pays et j'aime les autorités de ces pays. À l'époque où Kabila était président dans ces pays, aucun jour je produis une émission parce que moi j'ai débuté la télévision, j'avais encore 16 ans. Nabandi Moussala et TV. Et Nabandi Moussala et TV, juste, j'ai traité que des questions politiques. Je n'ai jamais traité des questions où est Rana Jibé, Falina Ferré, et ainsi. Non, j'ai traité que des questions, des analyses, des réflexions politiques. Parce que j'aimais beaucoup mon pays, j'aimais beaucoup la politique. Aucun jour, dans les cas de la télévision, n'y a qu'au film à Kabila. Parce que Kabila était présent dans ces pays, Balobi, toute autorité vient de Dieu, malgré tout, à ce qu'on a mafia, mais tu n'as qu'il t'a même yaillé pendant qu'il était ici. Mais tu l'étendais que démocratie, ça l'a à l'homme, à la moto, à Mboka, à ça la troisième mandat. Parce que Kabila n'avait pas une mission pour ces pays, Kabila avait simplement un mandat dans ces pays. Ah si, bah, mandat, n'a qu'il est comme il n'a pas une vision pour ces pays. Mais tu sais qu'il a une vision, a une mission, a des choses et des trucs où il faut essayer de manamoko na simanaï. Alors laissons-lui le temps.